Alors ça, c'est une question, j'avoue qu'on me l'a posée beaucoup, beaucoup de fois. Ma chérie, bien sûr, je vais te répondre. C'est normal parce que moi aussi, je pense que si j'avais quelqu'un qui était dans ce cas de figure, je me dirais, mais qu'est-ce qu'elle va foutre? J'essaye de montrer ma tête derrière le commentaire tellement qu'il est grand. En fait, je ne sais pas du tout. Je sais que pour l'instant, je vais essayer les techniques naturelles parce que c'est très dangereux en fait que je fasse une opération. C'est très très dangereux étant donné qu'on voit beaucoup de cicatrices à l'extérieur, mais en fait il y en a encore plus à l'intérieur et que au moindre faux pas, je peux la couper. Au moindre faux pas, je peux mourir. C'est vraiment les dires de plusieurs docteurs que je suis allée voir en rentrant à Dubaï. Je suis allée voir plein de spécialistes en France et c'est vraiment vraiment pas conseillé. Et puis j'ai envie de me dire que si je trouve une solution naturelle, je vais pouvoir aider plein d'autres filles qui ont un relâchement cutané, donc qui ont pas forcément la même histoire que moi, mais qui ont un relâchement cutané, qui ont vécu des mauvaises expériences, que ça soit d'un point de vue chirurgie esthétique ou que ça soit après peut-être un cancer ou autre chose. Peut-être qu'on peut s'aider, on peut trouver des solutions, on peut même essayer de développer un produit qui pourrait révolutionner, j'en sais rien. Donc pour l'instant, j'ai vraiment envie d'essayer le naturel. Vous m'avez motivée, voilà. Et on verra ce que ça donne. On voit avec le temps. Alors là, les pitchs, ce matin, je suis exactement à Trouville. En fait, Trouville, c'est collé à Deauville. On dirait que c'est le même village. Il y a juste comme si c'était la Seine, en fait, qui séparait. Comment ça s'appelle, chérie, ici, le canal? Le Touc! Le tuk-tuk. Donc là, je suis côté Trouville. Apparemment, Trouville, ici, c'est les vrais Français. Ici, c'est les vrais villageois et tout. Et de l'autre côté, Deauville, on compare ça comme le 16e. Un peu prout-prout. Je sors ça des villageois, hein. Ça sort pas de moi. Bon, les gars, on s'est motivés. Ah! Ah! On s'est motivés. On va aller faire du sport. Toutes entre girls. Ah! Je suis vraiment une sale influenceuse, je sais même pas poser un téléphone. Je suis motivée comme jamais. On va faire grossir ce popotin. En plus de mettre mes crèmes, j'ai commencé la percutaféine. C'est la meilleure. Vous savez, le gel là, enrichi en café. Je crois que je l'ai payé 17 euros. Parce qu'il y a beaucoup, vous me dites, déjà vous me posez la question, alors c'est laquelle la crème la mieux? Bon, je viens à peine de commencer, hein, donc je peux pas voir. Mais franchement, dès que tu la mets sur ta peau, tu as l'impression que ta peau, elle fait comme ça. Pas faire de sport avec nous, Ivan. Moi, je suis déjà. T'es déjà fort, toi, t'as pas besoin. Eh ben oui, t'as pas les mêmes problèmes que nous. T'as la chance. Quand t'es gosse, on avait des corps, on faisait rien, on mangeait n'importe quoi, plein de chocolat. On avait des corps de beaux gosses. Mon amour. Très très important. Je prends ma ventoline parce que j'ai remarqué maintenant dès que je fais le moindre effort, voilà, j'arrive plus à respirer, une petite vieille. Donc du coup le médecin il m'a dit tout le temps la ventoline avec vous, tout le temps, tout le temps. Il faut savoir que nous on se connaît depuis au moins, ça fait combien? Tati, ça fait presque 10 ans. 10 ans, ouais. Ouais, et toi, ça fait 7 ans. Total. Et on est en train de parler de nos cheveux blancs. On a tous eu nos premiers cheveux blancs. Voilà, Trouville. Sur mer. Trouville sur mer. Moi, je prends tout le temps l'eau au citron parce que je déteste l'eau. J'arrive pas à boire l'eau seule. Du coup, mon addiction, c'est ça. Vous connaissez. C'est trop la base. Si t'aimes pas l'eau, mais que tu veux boire, tu achètes ça et franchement ça passe tout seul et il n'y a presque pas de sucre dedans, je crois il y a 0,01, donc c'est rien du tout. Et sinon la version pas chère, tu prends la cristalline et tu mets un jus de citron dedans, ça fait aussi le faire. Comment les gens, ils sont trop gentils, si je suis choquée. Ah ouais, on a eu une caissière toute souriante, toute mignonne, on avait l'impression qu'on venait de lui acheter tout son magasin tellement elle était gentille. C'est moi qui viens de Non mais franchement les gens ils sont trop sympas. Ça donne envie d'habiter en dehors de Paris. Franchement à Paris t'as vraiment des pauvres. Souvent, genre je suis de bonne humeur, je descends, je vais faire une course, je suis énervée. J'ai perdu à fond mes cheveux et maintenant ça fait que de repousser. C'est une catastrophe. Si je mets pas de gel, on dirait un petit papillon qui va s'enlever. C'est horrible. C'est trop moche. Un bébé, c'est quoi ça?
Aidez-moi. Genre, je lâche pas, je suis qu'à 503 calories, mais j'ai tellement mal aux fessiers. Je vous jure, j'ai trop mal, c'est horrible. J'ai trop trop mal. En fait, j'ai l'impression que je n'ai fait tellement jamais travailler mes fessiers que là, à part pour m'escalader chez moi, j'ai trop mal. C'est comme si je réveillais enfin. Ça fait plus d'un an que j'ai pas fait de trucs à mes fesses, quoi. Enfin. Du coup, j'ai pas fait de sport avec mes fesses, ça fait trop trop mal. Le nouvel an russe, donc du coup avec Tati, on a décidé de faire un grand repas spécial nouvel an russe. J'ai jamais fait ça de ma vie. Apparemment, c'est trop cool, genre ils font des petits raviolis. Et à l'intérieur, c'est comme les gâteaux chinois. Tu mets plein de petits mots tout chou. En gros, tu manges et tu découvres les gâteaux, enfin les petits mots à l'intérieur. J'aime trop ces trucs d'enfant, je kiffe. Donc voilà, ça intéresse, on va cuisiner Proust. Bon, apparemment faut laisser poser pendant longtemps, donc et genre faut faire comme ça, si vous voyez, je m'en mets, ah bon, je m'en suis mis là, il faut masser, juste je pue l'artichaut par contre. Ceux qui m'ont croisé vont sentir une odeur. Tu fais des massages comme ça et tu laisses poser le plus longtemps possible. Bon, on va voir ce que ça donne. Et pas l'après-shampoing, juste le shampoing. Oh là là, merci les filles. Ça c'est healthy. Hein. La farce, c'est ça? Variniki. T'as compris quelque chose? Variniki. Variniki. Ok, da. Da. Variniki. On met un œuf. Une grosse pincée de sel. Grosse pincée de sel. On va voir nos choses. Voilà. Voilà, tu mets l'eau qui soit pas froide. Voilà. L'eau chaude. Et ensuite, tu mélanges. Non, pas avec les mains. Non, mais je vais les tuer. Bah, j'ai pas la russe. Donnez-moi du ski, c'est l'eau que dans un mais quoi, moi j'ai l'habitude de cuisiner à l'africaine, on fait tout avec les mains. Mais pas la bouteille de la cuisine. Ramenez-moi ma copine française. Il y a une française qui est rentrée ce matin hier. Après, regarde ton père, tu vas montrer. Tu connais quoi? Moi, je fais tout à peu près dans un bol. Ouais. Regarde, tu mets comme ça de la farine. Attends. Il faut qu'il voit. Comme ça, la farine. Ouais. Donc, il y en a 300 grammes. 300 grammes, ouais. Ouais. Et ensuite, la piscine, voilà, un petit peu. Et tu commences. Ah, j'adore. Peut-être, peut-être encore un plus. Tu... Ouais. Voilà. Vas-y, voilà. Et là, tu et mélanges. Et là, tu mélanges. Ouais. Tu mélanges. Tu es un assistant.
de madame cuisinière de la Russie. Ah, j'adore. Ouais, c'est beau comme ça. Mmh. Mmh. Ici, en fait, alors tu fais. Et il faut rajouter la farine parce que là, on n'est pas. Ah ouais? Oh, ah, ça! Je fais avec les dents. Ah bah! Je suis morte de rire. Ils mettent l'argent dans l'aluminium, dans les raviolis pour rapporter l'argent. Donc là, on blanchit l'argent, c'est ça? Évidemment. C'est excellent. Évidemment. Mais il faut mettre des plus grosses pièces de... Non, que... ça va aller. Ah ouais? Je vais aller. 500 euros. 500 que... Rien compris comment ça fonctionne, mais on a nos petites pièces qui sont toutes propres. La carotte, c'est quoi? C'est l'amour. D'accord, les petits carottes. D'amour à l'année. C'est quoi ça? Les petits... les papiers qui t'auraient une bonne nouvelle administrative. Ah donc on va mettre, on va écrire dessus ou pas? Non, juste mis le papier et là, et là c'est le tissu. Et le tissu en fait, voilà. Et le tissu en fait, ce sera gâté toute l'année avec des cadeaux, avec des vêtements. Avec j'ai des bien jeux. Fait venir, hein. J'ai vraiment bien. Par contre, c'est la route, tu auras un long voyage, une longue route. J'adore. Mais attends, il faut qu'on fasse les nouvelles en russe tous les ans, là, c'est pas possible. Voilà. Donc là, on est en mode préparation de farce. C'est ça. Donc, tu as fait le pomme de terre, les pommes de terre écrasées. Et là, je vais préparer l'oignon, je vais griller. Ouais. Et après, mélanger. Et ça, cette farce-là, on va mettre aujourd'hui. On va pas manger beaucoup de viande. On va mettre On va mettre juste ça. Juste ça? On met pas de poulet? Juste la farce. On oublie, je te voilà. Ah merde. On a oublié de la farce, ça fait jardin. Mais sinon, on peut mettre ce qu'on veut. Ouais. Mais en général, on fait pomme de terre et l'oignon. Voilà, ça, pomme c'est de très terre, traditionnel. Oignon, très c'est traditionnel. Voilà. C'est vraiment la Russie, tout le monde n'a pas de quoi mettre la viande à l'intérieur. Non, en général, on met pomme de terre. Donc et voilà, ça, nous on a fait la vraie russe. Voilà, exactement. Version vegan. Enfin, végétarien, ce qu'on a mis plus longtemps. Elle m'a dit le chou c'est l'enfant, mais là cette année j'avoue que j'ai d'autres choses à faire. Je suis pas sûre de vouloir manger du chou, chérie. En fait les filles, faut vraiment couper en grand parce que ça donne un plus gros goût. Ouais. Et quitte à après couper plus petit, voilà. C'est mieux en fait quand tu cuis c'est en gros et ensuite après. En fait ça brûle pas. Ouais voilà, ça brûle pas. Côté, ça brûle pas, ouais. Donc ça peut bien griller les. Pas mettre de choux dans les raviolis parce qu'apparemment ça ramène des enfants et moi cette année j'ai pas trop le temps. C'est pas le projet. Donc comme toi non plus c'est non, pas le projet, plus. on va laisser. Tati, toi t'as déjà un enfant, pas besoin de choux non plus. Ça coûte trop cher. Bon, on n'a pas le rouleau à pâtisserie, donc on a fait système D avec une petite bouteille de vin. Ça fait très bien l'affaire. En fait, tu l'aplatis vachement, hein. Ça fait, ouais, ça fait 1 mm, quoi. C'est très très fin. C'est bien. Là, on fait le petit raviol. Tiens. Toute la famille va travailler. Et après l'intérieur, tu vois. Mais après, on n'est pas obligé de mettre les surprises dans tous les raviolis. Bon, là, on arrive au moment emballage. On a fait nos petits ronds. Et là, on va tout fermer. Faut que j'arrive à faire ça. Je sais pas comment je vais faire. Oh my god! On galère de ouf. En fait, il faut pas du tout que la pâte elle soit trop fine. Parce que sinon, en fait, ça souffle pendant la cuisson. Donc, tu prends le truc. Tu mets pas beaucoup à l'intérieur. Tu fermes comme ça en deux. Et on. Ah! Je disais, tu pinces les extrémités, tu pinces. Et ensuite, tu repinces comme ça, histoire que ça soit bien fermé. Et t'as une espèce de coquillage ravioli.
Ça a l'air pas mal tout ça. Déjà, ils ont le meilleur aspect physique. On a toujours Tati, la pro de la pâte. Et fait du muscle Alors que Tati, c'était vraiment comme ma grande sœur quand j'étais petite. On s'est rencontrés, j'étais un petit bébé, j'avais peut-être un petit peu plus de 18 ans, un truc comme ça. Et elle m'a pris, c'était toute seule. Je vivais toute seule depuis mes 15 ans déjà. Et elle m'a vue toute seule, en train de vivre les galères parisiennes d'une petite gamine toute seule en Paris. Elle m'a pris sous son aile. Elle m'a montré comment on faisait à manger. On avait tellement de trucs. Voilà. Le belle personne sur terre, c'est Malona. Mon bébé. C'est quoi ça? Hier, quand je suis arrivée, je lui dis t'es beau gosse toi. Il me dit Alhamdulillah. Et là, il vient nous sortir. Je sais pas, wesh. Je sais pas. Mais qui es-tu devenu? T'es devenu qui toi? Franchement. Spider-Mine. Ouais, Spider-Mine. Maria Teresa, on sent l'artistique, quoi. Tu nous as fait. Une vraie italienne. Tu nous as fait ça à l'italienne, on adore. Una raviola. Mais c'est beau. Tu sais qu'on part en mienne, merde. J'ai trouvé une nouvelle technique, en fait. Je fais comme ça. Là, j'appuie comme ça. Doucement. Et là, en fait, par-dessus, je refais et je réappuie. Je vais vous montrer ce que ça donne parce qu'avec le téléphone, c'est une galère. This is mine. T'es beau, là, t'es beau gosse. Maman, elle t'a fait beau gosse. On met tous les raviolis. Et on mélange. C'est que 10 minutes, c'est ça? J'ai fait un spécial, c'est une boulette. Toujours le point levé. Mais je le connaissais pas. Non, c'est pas grave. Bon, je bois pas d'alcool, mais mon docteur il m'a dit voilà, ça va. Un petit fond, c'est tout. Waouh, on a même mis des petites poupées russes là. Voilà ce que ça donne. Par-dessus, on a rajouté fromage blanc. Et un peu d'herbe, un peu de piment d'Espelette, voilà, très simple. Normalement, c'est crème fraîche, mais là, on l'a fait healthy, quand même. T'as trouvé quoi? Je vais avoir plein de fringues. Ah, plein de cadeaux, parce que c'est le tissu. Eh ben, trop bien. Apparemment. Toi, t'as l'oseille. Ouh. T'as quoi? Moi, j'ai pas. Pratiquement dans tout ça, il y en a. Ah. C'est vrai, j'en ai pas mis assez de sel, désolé. Mais... L'argent. L'argentine. C'est bien emballé. Des cadeaux. Je vais avoir plein de cadeaux. C'est un bout de tissu. Ah, j'adore. Je veux plein de bouts de tissu. Moi aussi. Mais maman, on n'a pas le cadeau. Mais c'est con. Préfère l'oseille comme merde. Cadeaux. Ramenez-moi le flouze. Attends, mais moi, je mange même pas. Un peu grave. Alors, papa Yot, c'est tout bouillie. On veut trouver l'argent. Super bon. Je te Ça y est, les gars, je crois que j'ai trouvé l'oseille. Ah, je suis trop contente. C'était tout ce que je voulais. C'est horrible. Non, la santé. Il n'y a pas de truc qui justifie la santé. Aïe, qui c'est qui va être riche? C'est moi. Je suis trop contente. Et j'en ai un autre, là. Je sais pas c'est quoi. Ah. Les papiers. C'est quoi les papiers, déjà? Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle.
de l'aide dans l'administratif. Étant donné que je suis en France en ce moment, j'ai besoin de ce petit bout de papier, je suis trop contente. Bon, j'ai un peu tout. Là, c'est quoi, là? Un petit peu de tout. C'est bien, hein, rouler les trucs. Comment t'as fait ça? C'est quoi, ça? Ça, c'est l'heure du dodo. C'est l'heure du dodo, là. Oh, tu fais dodo? Attends, mais où t'as appuyé pour faire tout, tout, tout? Non, 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 là, c'est l'art de faire dodo. Mais tu peux montrer juste c'était où? Là, on a mis un filtre, regarde. Mais wesh, mais je vois rien du tout. Comment ça, wesh? Mais je vois rien, wesh. Comment ça, toi, tu dis wesh, en fait? Wesh, wesh, non, comment ça, tu dis... Alors, d'abord, c'est hamdoulah, après, c'est wesh. C'est quoi, ça? Non, mais oh. Allô, bébé? Oh non, je peux pas. Oh, faut savoir que monsieur, ce soir, il a trouvé la magnifique idée de prendre le téléphone à maman, de répondre à tout le monde. Genre, parle pas à mère, en fait, elle est occupée. Je sais pas pourquoi tu lui envoies des messages, j'ai pas le temps. Ciao. Toi, tu as cru t'es le patron, en fait. Oui, je suis le patron du mec. Ouais, tu te prends pour le patron. Hasta ma vista, baby, c'est bon, là. Je peux pas. On joue à Winini, non? Tu dois... T'as pas le droit de dire oui et non. Un, deux, ok, trois. Vas-y, ça marche. Ça va? Ça peut aller. Hamdoullah. Oh, t'as dit le mot? Hamdoullah. T'as dit le mot? Ah bah non, j'ai pas dit... Oh, j'ai pas... Ah! Attends. Deuxième tentative. Ok. Ok. Un, deux, on y va. 1, 2, 3. Quoi? Rien. Ça va? Bien sûr. D'accord. Est-ce que je peux prendre ta tête? Tu peux prendre ma tête. Je peux? Oui, tu peux. Ah! Encore, d'accord, une fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Quoi? Rien. Quoi? Rien. Ça va? Ça va. J'ai gagné. Je vais gagner. Quoi? Wesh, t'es qui? Luna. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Et toi? Pas trop. Pas trop, d'accord. J'ai envie de toucher tes ongles. D'accord. Touche mes ongles. Je peux? Tu peux toucher mes ongles. Non, 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 non. Je vous jure que je vais gagner ce coup-ci. Tu peux me faire avoir par un petit... Arrête! Ouais, tu crois quoi? Tu crois quoi? J'ai 8 ans. Dans un an, t'es plus grand que moi, t'as dit? Bon, allez, il faut dodo maintenant, bébé. Faut dodo. T'as kiffé les réseaux, hein? Tu as kiffé. Tu vas mettre Snapchat sur ton téléphone maintenant, je suis sûre. Je connaissais pas. Allez, viens, on va dodo. J'ai pas nu. Pas nu.